Ils sont beaux mes fruits. Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue des Martyrs, dans le quartier de Pigalle, au pied de la butte Montmartre. C'est l'endroit idéal pour remplir son panier avec ses nombreux commerces de bouche. Bon, je vous l'accorde, la rue elle a bien changé avec l'arrivée de nouvelles enseignes et de nouvelles populations. On peut dire que c'est un véritable village avec ses commerçants, ses artisans et ses personnages haut en couleur. Il y a même une institution qui voit la vie en bleu depuis une soixantaine d'années. Allez, on est parti pour un nouveau numéro de Paname. Dominique, vous, vous tenez le restaurant hongrois de la rue des Martyrs. De l'avenue Trudel et de la rue des Martyrs, oui. On est à l'angle. C'est rare un restaurant hongrois, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a plus beaucoup des restaurants hongrois parce qu'en fait, on peut penser que les restaurants étrangers arrivent avec l'immigration. Donc l'immigration hongroise s'est faite dans les années 60, à la fin des années 50. Et à ce moment-là, il y avait une multitude de petits restos hongrois. Et avec le temps, ça s'est calmé. Il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis. Et nous, on est là, envers et contre tout, depuis 40 ans en tout. Quand vous êtes arrivé dans le quartier, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui? Pas du tout. Ça ressemblait à quoi? Le désert des Tartares. On se rapprochait déjà de la Hongrie. Oui, c'était pas du tout comme ça, mais c'était beaucoup plus calme. Mmh. On avait beaucoup de centenaires. Oui. Ça, c'est très drôle. Beaucoup d'habitants du quartier qui étaient là depuis très très longtemps, qui ne bougeaient pas en fait du quartier, qui passaient toute leur vie ici. Et ensuite, eh bien, il y a un peu de jeunes qui sont arrivés. Et puis après, vous connaissez l'histoire de la rue des Martyrs. Les dernières années. Quoi, ça veut dire quoi? Ça s'est boboisé? Oui. C'est les poussettes qui ont remplacé les petites vieilles? Alors, les poussettes sont arrivées il y a une petite dizaine d'années. Et là, les enfants sont un peu plus grands. Et puis, il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver. On a à nouveau des poussettes avec des petits bébés. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sous votre cloche? Sous ma cloche, eh ben, il y a un petit secret. Waouh! Et voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit pain tout simple avec une soupe, une crème d'ail qui est délicieuse. Vous voulez bien la goûter? Ah bah oui, avec plaisir. J'adore. C'est un petit peu fort en goût. Ça tient dans le pain comme ça? Oui, bah c'est pour ça que je suis obligée de faire un gros pain comme ça, pour que la soupe tienne jusqu'au bout. C'est un petit peu du gaspillage, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas le pain, mais il y en a qui le mangent quand même. Bon, on sent bien l'ail, hein? Ah oui, ça je vous ai prévenu, c'est de la soupe d'ail. Moi, je mange le couvercle. Oh bah oui, on mange le couvercle avec le fromage qu'ils font. Racontez-moi un peu l'histoire du lieu. Il y a quand même des gens célèbres qui sont passés ici. Oui, oui, oui. Il y avait des gens célèbres qui venaient ici. C'était à l'époque où toute la place ici, il y avait trois restaurants. Et justement, un de mes fameux centenaires m'a raconté comment ça se passait ici. C'était une grande place. Et les messieurs arrivaient de l'opéra, oui, en calèche, remontaient la rue des Martyrs et déposaient les gens ici qui venaient dîner dans ce coin du 9e, qui montaient de l'opéra en fait. C'était un peu mal famé à l'époque. C'était pas très mal famé. Il y avait quelques dames qui habitaient dans le quartier, les Lorettes, qui étaient le deuxième bureau de ces messieurs. C'est gentiment dit, c'est joliment dit. Comment dirais-je? Ben oui, 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 les Lorettes, on disait ça, c'était les femmes entretenues en fait. Donc il y avait quand même de l'animation à cette époque-là, dans ce quartier. On termine sur une petite douceur. Mmh. Mmh, c'est magnifique. C'est bon? Ah oui, c'est une merveille. C'est une merveille. Bonjour Emmanuel. Comment vas-tu Yvan? Ça va? Ça va? Waouh, c'est fou chez toi. On ne sait plus où donner du regard.
Emmanuel, je cherche une affiche sur Paname. Est-ce que tu as mon bonheur ? Difficile à trouver Paname, mais j'en ai peut-être une pour toi. Alors regarde, j'ai peut-être celle-ci, qui est une exposition qui a eu lieu en 1937 sur Paris. Mm-hmm. Voilà, l'exposition internationale. Et puis ah, c'est magnifique ça. Peut-être le Lutetia. Elle date de quelle époque ? Alors elle date pour moi des années 30. Elle avait été imprimée par Dreger, qui était un imprimeur ultra célèbre, qui a inventé un procédé d'ailleurs de l'impression photo sur affiche, en lithographie. Ça, c'est une litho ? Oui, ça, aujourd'hui, on est sur une litho. On est sur une très belle litho d'après une photo. Donc, tu vois le travail des graveurs sur plaque et sur pierre pour faire ce travail. Donc, c'était fait avec une pierre ? C'était fait avec une pierre d'un seul tenant. Wow. D'un seul tenant. Et là, on est au temps des pharaons, c'est-à-dire qu'il y avait une pierre immense comme ça ? Voilà, ouais, c'était immense, immense. Et les gens travaillaient, gravaient à l'envers. Autour de nous, on a plein d'affiches de chez Villemot. C'est un grand nom de l'affiche. Exact. L'affiche française, elle est très réputée ? Elle est mondialement réputée. C'est-à-dire que l'histoire de la lithographie moderne a été inventée par Jules Chéret. C'est-à-dire qu'en fait, l'impression lithographique en couleur, c'est Chéret qui l'a mis au point ou qui l'a sublimé par ses dessins. C'est une affiche rare, ça ? Très rare. Donc, cher. Exactement, cher Yvan. Comment tu as réalisé cette collection, toi ? Comment ça s'est passé ? Je passais des petites annonces, j'achetais des livres, etc. Et un jour, je suis tombé sur un monsieur qui était charmant, un voyageur de commerce, et qui m'a dit, écoutez, monsieur, j'ai des affiches de SNCF. Alors pour moi, les affiches SNCF, c'était des choses qui étaient, pour me dire, pas très intéressantes. Mais en fait, ces affiches, ça était des années 30. Ah oui. Et là, j'achète une collection à ce monsieur charmant, qui avait voyagé dans toute l'Europe, qui à chaque fois, voilà, il décrochait les affiches, il les roulait pieusement et il les stockait depuis 40 ans. Et puis il avait amassé cette collection d'une centaine de pièces que j'ai encore en partie dans ma collection puisque j'en ai gardé par souvenir vu que ça a été mon déclencheur. Et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin il y a à peu près une quinzaine d'années en développant, alors là, toute l'affiche publicitaire telle que l'on la voit aujourd'hui, partant fin 19e jusqu'aux années 60-70. Il y a un vrai déclin à partir de 70, c'est-à-dire qu'on intègre plus la photo que on ne fait plus appel aux illustrateurs. Donc tu veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de belles affiches ? Ça n'existe plus ? Alors, il y a un renouveau. Aujourd'hui, il y a un renouveau. Ah, donc ça veut dire que maintenant, ça vaut le coup de les décrocher, de les garder, de les collectionner ? Alors attention, bien évidemment, parce que je le fais. C'est-à-dire que tu fais comment ? Ben écoute, il y a certaines choses, bon, notamment en partir de 97, il y a eu un petit renouveau, on a fait appel à des artistes comme Andy Warhol, et ils ont fait le fameux flacon de parfum, Chanel. Et en fait, il a fait une solarisation en 4 thèmes de couleurs de ce flacon qui a été diffusé partout en Europe. Pas beaucoup de gens pensaient les ramasser. Nous avons fait quelques ramassages. Aujourd'hui, c'est nos affiches qui cotent. Ouais. Parce qu'elles sont datées de 97, mais elles sont quand même signées par Warhol. Et bien signées. Et juste un tuyau. Qu'est-ce que je dois ramasser dans les abribus en ce moment-là ? Il n'y a pas une affiche qui... J'aime beaucoup les campagnes de la mairie de Paris. Dès qu'il y a un événement, je trouve qu'ils amènent il y a un nouveau regard sur l'affiche. Et il y a des affiches qu'il faut absolument ramassé de la mairie de Paris. Merci, merci beaucoup. Un homme neuf. Ah, j'adore votre couleur, Frédéric, c'est parfait. En vous attendant, je me suis dit, tiens, j'en ai pour 5 petites minutes, c'est fait. Vous êtes une véritable victime de la mode, enfin j'allais dire un martyr de la mode. Ça tombe bien, on est rue des Martyrs. Ne m'en parlez pas de cette rue. Pourquoi ça se nomme la rue des Martyrs ? Bah parce qu'il y avait des martyrs, et pas des moindres, bah oui, on s'imagine bien. Mais c'est Saint-Denis et deux de ses compagnons, Rustique et Éleuthère, qui ont été martyrisés par les Romains. Eh bien, ce Saint-Denis a eu la tête tranchée. Ah oui. Alors figurez-vous qu'il a repris sa tête entre les mains et il est parti, il a marché jusqu'à Saint-Denis, là où évidemment il a posé ses valises définitivement, où on a bâti cette fameuse église extraordinaire. Et on est juste au pied de l'abbaye de Montmartre. Ça a aussi un rapport avec ce martyr, avec Saint-Denis. Évidemment, alors, qui dit mont ? Évidemment, les Romains en avaient fait un mont réservé pour certains dieux, le mont Mercure, donc pour le dieu Mercure, mont Mercuri, qui est devenu mont Martyrium, le mont des martyrs, mont martyr, mont martre. Nous y sommes. Voilà pourquoi on y monte. Et c'est donc devenu
un chemin de pèlerinage. Et pour cause, évidemment, on venait de très loin pour rendre hommage à Saint-Denis, ce premier évêque de la capitale, premier évêque de Paris. On venait de Lutèce et on montait jusqu'à Montmartre, d'où le fait qu'il y a pas mal de lieux de culte à Montmartre. Mais évidemment, cette rue, comme il y avait beaucoup de pèlerins, ben, il a fallu les nourrir, il a fallu les divertir, il a fallu leur vendre certaines choses. Donc on voit commencer à apparaître les premières auberges. Alors les auberges, c'était qui dordine, vous savez. Alors ça ne voulait pas dire si vous dormez, ben, vous avez le ventre plein par la même occasion. Non, c'est si vous choisissez une chambre, alors vous avez le droit de venir manger. C'était autre chose. D'où l'expression. Alors, l'expression. Alors les auberges, ensuite il y a eu les tavernes où on servait le verre au pot, et puis petit à petit on y a servi à manger, et ces tavernes avaient une enseigne, une bouche. C'est devenu le bouchon. Ce petit bouchon, en fait, c'était une botte de paille, une botte de foin qu'on mettait en enseigne et qui indiquait aux marcheurs, aux voyageurs, aux pèlerins qu'ils pouvaient s'arrêter et qu'ils y trouveraient de quoi se rassasier et dormir un petit peu. Alors au siècle dernier, c'est plutôt devenu un endroit, une rue où on venait s'encanailler. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'après ces auberges, après ces tavernes, sont apparus les premiers cabarets. Alors les cabarets, c'était des lieux où on venait aussi pour se restaurer, mais petit à petit, on y a mis du plaisir. Ce sont devenus des cabarets artistiques. Vous savez, comme le Chat Noir à la fin du 19e siècle, le fameux Chat Noir de Salice. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres personnages, évidemment, qui ont meublé tous ces lieux de plaisir. Alors ces cabarets sont devenus aussi des cafés, cafés-concerts, cafés-théâtres dans les années 1970. Bref, on a conservé ces lieux de plaisir dans toute cette rue des Martyrs qui mène jusqu'à Montmartre. On va aller en visiter un dans pas longtemps. Ah bah je veux bien. Non, pas tout de suite. Je vous propose de faire un petit tour de manège en attendant. Chic, alors. Vous êtes content. Mais c'est 2 euros quand même. Mais je vous les donne les 2 euros. Tenez, regardez, 2 euros. Pendant ce temps-là, moi je vais me faire la barbe. Oh bah bien. Hein. Ou un soin anti-âge, je sais pas. Enfin la barbe. Je vais prendre l'éléphant. Non, pas l'éléphant. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider ? Je veux bien. Ce livre ? Magnifique. Chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre ? Ah oui, grand chef-d'œuvre. Je suis tombé directement sur un chef-d'œuvre. Oui, directement. C'est un livre qu'on a lu il y a très longtemps et qu'on continue de faire lire et qui a donné du plaisir à beaucoup, beaucoup de gens. Autrement aussi, il y a un grand rayon poésie ici. Ah oui ? Oui, très, très gros. Ça, c'est rare. C'est très rare, oui. Ça, c'est une des particularités de notre librairie. Hein. C'est, oui. C'est ce rayon poésie, voilà. Les représentants nous disent que c'est un des plus grands rayons de poésie des librairies à Paris, d'ailleurs. Donc, si on est amoureux de la poésie, il faut venir chez vous. Oui. C'est vendredi. Oui, 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 c'est ça. On n'a pas l'impression d'être dans une librairie, on a l'impression d'être dans une bibliothèque. Oui. C'est un peu comme à la maison. Oui, souvent, on nous dit ça, oui, souvent. Mais c'est un petit endroit, donc on doit forcément, nous sommes lectrices, donc on fait avec ce qu'on aime. Les gens le savent, hein, depuis 38 ans, les gens viennent ici pour trouver des choses qu'on ne trouve pas partout. Si vous regardez la vitrine, c'est une bonne image de la librairie. Parce que les gens, ils reviennent de vacances, ils disent « Ah, mais j'ai pensé à vous tout l'été, ce livre que vous m'avez conseillé, c'est génial. » Voilà. Ah oui, on a beaucoup de plaisir comme ça, de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance, parce qu'on est lecteur, hein, surtout, voilà, c'est ça. Puis on connaît, on a vu naître les gosses et tout ça, hein, on est des gens, on est connus, on remplit aussi un rôle social, forcément, dans le quartier, les gens nous laissent leurs clés, nous demandent des trucs, voilà. Et le quartier, vous le voyez changer, là ? On l'a vu changer, oui. Mais oui, en fait, là, nous, on est dans un endroit où les choses durent aussi. Le changement est autour, mais ça ne nous touche pas trop. Oui, on dit souvent qu'on est comme dans une petite réserve ici. Oui, de... Voilà. Comment ça, une petite réserve ? Comme le dernier des Mohicans aussi.
Mais donc là, on est sur le point de passer la main. Hein. On va passer la main à la fin de l'année. Hein. Comment ça? Vous arrêtez? Ben, on est quand même des vieilles biques. Hein. Moi, j'ai 70 ans. Elle a 68. Donc voilà, on va avoir encore une autre vie autrement. Quoi. Mm. On est quand même très enfermés dans cette librairie tout le temps. Vous allez prendre l'air, là. Oui, c'est ça. On va tailler la route. Oui. Et vous avez retrouvé un repreneur? Oui, voilà. Alors, c'est ça, le miracle, le miracle pour nous, de la c'est rencontre. Qu'on a trouvé quelqu'un selon notre cœur, voilà. Et selon nos goûts de la poésie, c'est quelqu'un qui vient depuis longtemps à la librairie. Oui, d'ailleurs, mais... peut-être vous allez le voir parce qu'il doit passer, là. C'est formidable. Vraiment. Salut Julien. Ah, ben voilà Julien, alors. Ça va ? Bonjour. Monsieur, bonjour. C'est vous le sauveur, alors ? Ah, pas du tout. Vous vous trompez. Voilà. Le sauveur, non, je suis le prêtre d'aucune église. Je connais très bien en fait, le fond de cette librairie, pour l'avoir lu. Moi, je conçois cette librairie comme une œuvre, en fait. La plupart des livres qui sont là, ils sont là parce que c'est le résultat, en fait... pas d'une subjectivité qui a, ou même de deux subjectivités, voilà, qui ont choisi en fait leur place ici. Et donc d'une certaine manière, en fait, ma première mission, c'est de conserver. Moi, j'ai envie de pas être dans une position défensive en fait, mais plutôt dans l'affirmation de quelque chose de positif, quoi. De proposer, oui. L'existence plutôt que la résistance, en fait. Je préfère être existant plutôt que résistant. Et ça, c'est vraiment important pour moi, parce que bravo, votre fan club. Voilà, la relève, elle est là. Ah hein. Oh, oui. Ça, c'est... Allez, ben, je vous laisse. L'avenir. À bientôt. Merci. Allez, au revoir quand vous serez Il faut pas seulement venir nous voir, il faut venir acheter, en fait. En voilà. Marchant, déjà. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'on prend alors, Michou? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit, mais avec Michou? Bah oui, qu'est-ce qu'on boit avec Michou? Un peu sympa. Juste un peu? Vous êtes modeste. Allez, le voilà. Avec le champagne, c'est ma jouvence. Merci. On va trinquer à ce bel endroit. Est-ce que toute votre vie, ça a été la fête? Oui, vous savez, même très jeune, c'est un don, faire la fête, c'est ma mère qui me l'a donné, qui me laissait joie. Ma mère est une femme de fête, elle aimait, c'est une dame d'usine, elle travaillait à l'usine, où j'ai travaillé avec elle d'ailleurs un moment, elle mettait l'ambiance pour moi, elle aimait chanter, elle aimait faire la visite, le bout d'entrain de l'usine. Et elle m'a donné ce don. Malheureusement, elle n'a pas eu la chance de faire comme moi un bon mariage. Vous restez toujours très, très attaché à votre quartier. Oh, mais je n'ai pas mon village. Votre village. Pour moi, c'est bien. Vous savez, je suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans. Je suis venu comme ça à l'aventure et j'ai fait un peu tous les métiers. Puis j'ai eu une grande chance qu'un jour, j'ai rencontré un personnage qui avait un endroit où des martyrs, qui s'appelait Madame Attel à l'époque, et qui m'a dit « Michou, je suis très fatigué, très malade, j'ai une gérance que je vais quitter. » J'ai pris cette gérance, et puis bon, j'en ai bavé pendant quelques années quand même. Et puis en 60, on a eu une merveilleuse idée. Trois copains, si on faisait un petit spectacle rigolo, on a fait un petit plancher comme la table, on a fait un gentil petit spectacle que je pouvais payer les droits d'auteur de 20 minutes. Il s'est avéré qu'il y avait un monsieur célèbre qui est venu nous voir,
qui s'appelait Monsieur Edgar Schneider. Edgar a fait un papier hétérombique le lendemain, quand Paris se travestit. Ça y est. Et c'est là qu'est née Miss Glassex. Oui, mais ça va être un délire. Non. Et pourquoi Miss Glassex? C'est pour un nom comme ça. Comme ça? C'est pour un nom. J'ai été inspiré pour le truc, pour les carreaux. Et puis on a démarré comme ça. Et c'est devenu une institution. Je suis très fier. Vous dites? Il y a l'enseigne, ça s'appelle chez Michou. Ouais. Et je suis. Ben, j'ai guetté un personnage que j'adorais, que j'adore toujours, qui m'a élevé, qui est ma grand-mère. C'est la seule femme que j'ai aimée. Je veux dire pourquoi? Parce que je suis un enfant de l'amour. Et ma grand-mère m'a élevé, tout m'a élevé. J'ai fait comme ma grand-mère. Et puis voilà. Donc j'étais très, très, très attaché. Et vous voyez, maintenant, j'ai 85 ans bientôt. Ce personnage, tout en bleu, c'est votre si je ne suis plus en bleu, ouais. J'ai l'impression que vous n'allez pas me reconnaître. Ouais. Ça, c'est le personnage, Michou, ou c'est vous, vraiment? La plus grosse joie que j'ai, c'est quand je sors, les gens me reconnaissent, et puis je suis très fier. Ah. Vous voulez qu'on vous aime? Voilà. Ben c'est formidable quand même d'être aimé. Vous voyez pas? Si. Bon, je vous aime. Ça se termine tout comme ça. Mais si on va arrêter maintenant, on va prendre le bain et ça ne sera pas la fête. Don't get sad. You're the best friend I ever had. Will I mean it when I say you just don't. C'est l'heure d'en trouver Michou. Ah, mais c'est pas arrivé en bicycle. On me l'a volé. Merci Panam, c'est gentil. Merci. Mais c'est gentil de nous recevoir. Allez, je vous suis. Je suis pressé de voir ça. Je vais quand même vous présenter. Et chaque soir, je remercie mes collaborateurs. Et ceux qu'on appelle les Michettes. Oscar, tu es en train de préparer quel personnage là? Là, je suis en train de me préparer en Maria Callas. En Maria Callas? Maria Callas. C'est évident. Je ne la vois pas encore, là. Bientôt, bientôt. C'est à cause des cheveux, ça. Ça, tu n'arrives pas à imaginer. C'est long à faire, le maquillage, là? Bon, il faut une bonne demi-heure. Ok, combien de personnages en tout dans le spectacle? Ce soir, 18. 18? 9 artistes? Oui. Donc ils en font 2 chacun? Plus ou moins, oui, c'est ça, 2 chacun. Ça fait combien de temps que tu es ici? 10 ans. Comment t'es arrivé là? J'ai fait un pari avec des copains. T'es pas cap. Un cap, pas cap? Ouais, pas cap, pas cap. Et ça m'a plu, l'idée m'a plu. C'était pas le fait de me transformer en femme qui me plaisait, c'est le fait de me transformer qui m'intéressait. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de te transformer comme ça? Le fait de passer à un autre personnage, quelqu'un d'autre, changer de peau. C'est sympa, tout le monde peut rêver à un moment donné, je pense, de changer de peau dans la vie. D'un seul coup, on passe à quelqu'un d'autre, une autre attitude, une autre façon d'être. Ça m'a plu, je voulais faire Gainsbourg à une époque, je voulais faire des personnages masculins aussi, parce que c'est aussi intéressant, c'est pareil. Et toi qui es responsable artistique, qu'est-ce que tu attends de tes artistes? Qu'est-ce que tu veux qu'ils montrent des personnages? Je veux qu'ils soient bien déjà dans leur personnage. Je veux qu'ils fassent des personnages dans lesquels ils sont bien, dans lesquels ils sont à l'aise, parce que c'est là où ils sont les meilleurs. Si je leur impose un personnage, ça ne marchera pas. Il faut que ça vienne d'eux. Il faut qu'ils aient envie de le faire. Je fais le deuxième hein, pour équilibrer. Vas-y, je t'en prie. Sans les gens vont penser que je fais seulement une demi-calasse. Je fais une calasse complète, en fait, je fais les deux côtés. Ils ont payé pour le tout. Ha ha ha.
Merci à vous. Et bonne soirée chez Michou. Merci, Paname.